l'hôpital. Ma bouche me fait trop mal. L'hôpital. Tu n'es pas encore mort. Je dis, tu n'es pas encore mort. Tu es là en train d'embrasser les fils. On vous dit d'embrasser les bonnes filles. Hein, qui ont une bonne haleine. Vous êtes là en train d'embrasser les filles. Leur bouche est un vrai caniveau. Elle t'a donné maintenant un cari. Donc on va à l'hôpital. L'argent là, c'est fait. Yoko. C'est pas l'hôpital qui t'a envoyé. C'est l'hôpital qui a te trouvé ici. Tu as vu ce qu'on a là. De chasser comment? Quand il a embrassé la fille là-bas, ouais. J'ai l'embrassé aussi. Et puis c'est moi qui vais aller soigner, puis il va aller l'embrasser encore. C'est quand c'est gâté là, c'est moi qui dois réparer. C'est moi qui dois réparer sa bouche gâtée là. Hein? Dis-moi, c'est moi qui dois réparer sa bouche gâtée là. Mais mettre à la fin, il a mal comment? Il a mal. Faut l'envoyer à l'hôpital. Tu as mouru ici. Mais dis oh, attends. Les cuidants même là, qui les utilise même? Hein? T'as fait ça avant hier, ça n'a même pas fait 3 jours. Ça fait pas 3 jours, c'est fini ici, ou bien c'est la souris là qui mange ou bien? Ah, peut-être la souris, les aimants, ils boivent. Ouais, la servante là. Dis, Adi, attends, pas qu'au Dieu là. Hey, Tanti, on doit parler bruit de ton là. Comme il a mal à dents, elle parle bruit qui va le soigner un peu. Bruit? Elle a sa bouche pourrie là. C'est bruit qui a fait bruit donner. Il est malade, elle le soigne un peu. Non, Bouy, sa bouche qui a pris toute la maison au dos, on ne peut pas respirer, c'est Bouy qui a fait. On ne peut pas toujours manger toi aussi. Doucement, totalement. Doucement, elle lui a dit. Mais sa bouche a pris toute la maison là. Adia! Adia! Adia, t'es pas là? Oui! Viens ici! Oui, l'enfant. Alors, pourquoi pousser là-bas? Pourquoi t'as mes frères ton maquillage là? C'est moi qui t'ai appelé. Mais Adia, c'est quoi ce maquillage là? Tu me fais fuir mes invités ou bien comment tu es maquillée? Hé hey, tonton, pourquoi c'est ma peau vraie là-bas? Es-tu jolie non? Tu es jolie où ça? Hey, tu ressembles à un clown. Et puis tu dis non, tu es jolie. Regarde-moi son visage. Hein? Yédio, c'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Yédio, mes cuidants là. Hein? Ça fait 2 jours j'ai acheté les cuidants. Ton, c'est pas moi. Ferme-la! Qui t'a donné l'ordre de parler? Si quand il dort, l'argent parle, tu parles? Hein? C'est pas pour ça qu'il t'a payé. Je dis, qui finit mes cuidants? Hé, hey, tonton, c'est pas moi. Ce que je t'ai dit là, c'est ta soeur là, ta nièce là plutôt. Hein? C'est elle qui prend matin, midi, soir, elle met dans sa bouche. Hein? C'est pas mon tonton. C'est ce que je voulais dire, puis tu m'attaques tristement comme cela là. Oh, ça suffit! Hé, hey, tonton. Appelle-la là-bas. Vanessa, mais, tonton mais. T'appelle. Oh. Lui grand frère, où ça? Qui finit mon truc là, qui finit ça? Mes cuidants, hein? C'est pas toi, il parle? Aïe, comment? J'ai dit, qui finit ça? Tu me dis, aïe? Tes dents là, y'a quoi dedans? C'est gravier, y'a dedans ou bien quoi? Tu as fini tous mes trucs? C'est ça, oh. Moi, y'a dit, oh, pas fini, quand elle pas prend là, elle jette. Quand elle me met dans ma bouche là, je remets dedans, quand je remets dedans. Tu dis quoi? Ça. Je suis où, moi? Aïe, tonton, pourquoi t'écris ce nom comme ça? Le vieux bête que tu payes, ça pue pas bien. Je veux que ça te pétouche, je n'ai pas trop de gaspille. Donc, je mets dans ma bouche et puis je remets dedans encore. Tu vois, non? Non, c'est bon. Oh! Malto! Y'a pas eu de mari! T'es pas eu de mari!